Eh bien, salut tout le monde. Voilà, je ne savais pas comment débuter en fait ce swap parce qu'il s'agit en fait d'un swap aujourd'hui et donc j'ai la joie de partager cette vidéo et ce swap avec une personne que j'aime beaucoup. Il s'agit d'Elodie. Elle a aussi une chaîne YouTube et une page Facebook que j'avais fait aussi il y a quelques temps son portrait guidance. Donc je vous mettrai les liens en dessous. Donc, c'est le moment. J'ai tout préparé. Donc, il s'agit d'un énorme colis. Et donc, du coup, je vais l'ouvrir avec vous. On va l'ouvrir avec vous, avec Titus. C'est parti. Donc, faut savoir, en fait, que ça fait un petit moment que je l'ai reçu. Et j'attendais l'opportunité de faire la vidéo, d'avoir le temps en fait. J'ai l'impression de me répéter, mais pardonnez-moi. Merci Titus qui m'aide aussi. Waouh, il y a plein de fils. Donc du coup, là, au moment où je vous fais cette vidéo, Elodie a déjà ouvert le sien. Donc maintenant, c'est à moi de le faire. Ouais, je pense que là vous voyez bien en fait. Hop, c'est hyper soigné. C'est vraiment à ton image, je vous dis. Ouais, ça y est, je commence à avoir le rire de débile quoi. Ah, c'est trop bien, les swaps, les cadeaux, c'est trop bien. Voilà, je recommence. Ah, alors attends. L'enveloppe, elle est de ce côté. Je vois mon prénom avec un petit cœur. Donc du coup, je vais l'ouvrir comme ça. Oh. Je pense, Titus, que ça va te plaire. Il y a plein de filles. Ah oui. Donc, en fait, on avait eu l'idée de partir sur le thème de la nature. Voilà, de tout ce qui était vraiment... ouais, qui nous rappelait un peu la forêt. Donc on est parti sur une thématique. Et je sais qu'elle m'avait dit qu'elle avait aussi envie de me faire découvrir ce swap un petit bout d'elle. Donc, voilà. C'est les seules informations que j'ai. Donc maintenant, je vais ouvrir. Donc, il y a plein de petites pommes de pin. Alors ça, je garde parce que je suis férue des pommes de pin, en fait. Hop. Oui, enfin, vous allez souvent me voir récupérer des trucs. Hein, voilà, moi, c'est la récup, j'aime bien. Donc, hop, et ça, je conserve. Alors... C'est pas si vous voyez, oh non, vous voyez peut-être pas du tout. Oh là là, mais c'est terrible. Bon, en fait, il y a marqué Stéphanie. Hein, donc, Oh, en fait, derrière, oh, c'est ridicule, je vous montre alors qu'on voit pas forcément. Derrière, il y a marqué, alors il y a des petites notes de musique, et puis entre parenthèses, il y a marqué car après Émilie Jolie, tu es là, ma jolie Stéphanie. Ouh. Tu es vraiment très douce quoi. Alors là j'ai Titus qui kiffe. Oh, je l'ouvre. Attends, ouais, j'ai tout déchiré. Oh. Joli papier rose. Elle a fait une jolie carte. Ouf, il y a plein de trucs. Alors, ma jolie Stéphanie, je suis tellement heureuse de pouvoir échanger bien plus que l'on ne peut l'imaginer dans ce swap, pas d'ordre d'ouverture. Ouais, ça me plaît. Ouais. Oh merci, j'aime bien comme ça, du coup je me sens dégourdie en fait, donc c'est juste parfait, t'as assuré quoi. Donc, écoute ton cœur et tes envies. Oui, c'est ça l'ouverture. Alors, tu verras à travers chaque cadeau une petite partie de mon être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et le plaisir que j'ai pris à te confectionner, trouver ou même acheter des présents. J'ai jamais réussi à écrire droit sans les lignes, et encore, t'as assuré parce que, voilà, c'est pas bancal, quoi. Non, ça va. On ne va pas faire durer plus le suspense, mais je tiens juste à préciser que tu trouveras trois petits rouleaux,
J'ai tenu à te les écrire et si tu le souhaites, je t'invite à les faire voyager et à les partager lors de tes missions. Ah oui, alors, il faut que vous sachiez une chose. Ça fait depuis quelques temps que j'ai pas forcément refait d'autres vidéos sur mes missions que je faisais autour des prières de Sainte Rita, mais elles sont finies. Il faut que je vous envoie les autres. Et c'est vrai que en plus j'ai décidé de partir un petit peu en vadrouille sur d'autres façons de missionner, mais plus dans ma personnalité et forcément peut-être pas dans des endroits qu'on irait tout le temps dans les églises ou autres. Donc ça je suis un petit peu voilà, c'est en préparation. Et là, en fait, ce que tu me dis, ça me plaît bien, Elodie. Donc oui, de toute façon, tu sais que tu peux compter sur moi, donc pas de souci. Allez, fonce, oui! Ouvre-les, car nous n'attendons que ça. Oui! PS, voici une liste de mots que l'on me souffle. Échange, partage, amour, spirituel, âme, retrouvailles, symphonie, synchronicité, chemin, parole, hommage, nature... Cœur, bonheur, lien, chouette, amitié, œuvre, plaisir, télépathie, elfe, fée, mère nature, plaisir, encore et parole. Merci, Elodie. Oh, mais c'est une bulle de douceur cette femme, je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà, c'est la simplicité, la légèreté et une enfant. Et en plus, elle est, ouais, elle est connectée. Et puis, c'est pas dans un sens où elle va faire étalage de tout ça. Ça se fait très naturellement. J'aime, en fait, ce type de guidance, en fait. Voilà, c'est un peu passe-partout. Et mine de rien, tu glisses ton petit message. Bon, allez, pas plus de blabla. C'est... Il y a plein de trucs. Bon, d'accord, j'arrête de... Chut. Attends. Oh, wow, même le papier. Oh, une astuce, on va s'éclater. Waouh. Ah, bon. Chut. Voilà, d'accord. Ça, c'est les petits rouleaux qu'elle m'a dit. Bon, je fais la curieuse. J'en ai trouvé deux. Je vais regarder. Oh, c'est super mignon. Voyons voir. Bon, je lis celui qui me tombe sous la main. Pour le guerrier de la lumière, il n'existe rien d'abstrait. Tout est concret et tout lui inspire respect. Il ne reste pas assis à observer ce qui se passe de par le monde dans le confort de sa tente. Le guerrier de la lumière accepte chaque défi comme une occasion de transformer lui-même. Certains de ses compagnons passent leur vie à critiquer l'absence de choix ou à commenter les décisions des autres. Le guerrier, lui, transforme sa pensée en action. Quelquefois, il manque son objectif et il paye, sans se plaindre, le prix de son erreur. D'autres fois, il s'écarte du chemin et perd beaucoup de temps à revenir à son destin originel, mais le guerrier ne se laisse pas distraire. C'est super mignon, ça va faire ça. Eh bien ça, je vais me le garder pour le dispatcher aussi. Hop. Ça me plaît. Ah, ça me plaît ce genre de truc. Waouh, mais qu'est-ce que c'est doux. C'est hyper doux. Alors ça, ouais, enfin, voilà. Mon père me disait quand j'étais petite, Stéphanie, parce que j'avais plein de grandes boucles d'oreilles, je faisais une collection de tout ce qui brillait. Et mon père arrêtait pas de dire, ah, c'est une vraie pie, parce que tout ce qui brillait, j'adorais en fait. Bon, mais là, ça continue parce que j'ai pensé à mon papa. Parce qu'il y avait ça, et ça brillait, et j'étais tellement attirée par ça que je voulais le prendre et l'ouvrir. Donc, un peu plus dans ta collection. Des papillons, en fait. Ben oui. C'est trop bien. Oh, qu'est-ce que j'aime, les soies. Ah, faut écouter les bruits. C'est super agréable. Waouh. Faut pas que j'en... Faut pas que ça s'en mêle. Attends. J'essaie de faire un espèce de Tetris Mikado. Hey, j'ai toujours été forte à ce jeu. Waouh.
Waouh. Ah ouais, waouh, c'est beau. C'est trop beau. Waouh, merci. Attends, je sais pas si on le voit. C'est beau. Moi qui aime les arcs-en-ciel, ça va en faire d'autres. Je vais le mettre à ma fenêtre encore. Je dis encore parce que j'en ai du côté de mon bureau. Merci, c'est trop bien, j'adore. Ok, ça c'est bon. Garde, Titus. Titus. Allez, d'accord, je pars sur ça. Un papier un peu différent. J'adore tes emballages. C'est trop mignon. Ça va, ça se déchire facile. Ouais, attends, ça il vaut mieux que je le prenne là, parce que du coup si tu fais le con. Si tu fais l'andouille. Toucher. Alors j'ai ouvert que ça, donc je vois que ça. Mais par contre, en fait, au niveau du toucher, mais qu'est-ce que j'aime? Ah, ça fait un truc un peu au Moyen-Âge et les tapisseries, voilà. J'ai la sensation de ça quand je touche un peu floral, peut-être des papillons, mais... Ah oui. C'est trop bien. Voilà, ça fait un peu ce que je vous disais. J'ai pas regardé, hein, donc... Waouh! Waouh! Waouh, c'est beau. J'adore les carnets. Je suis une consommation excessive. Waouh, voilà. Alors, c'est rigolo parce qu'hier, j'ai eu un tout petit carnet de cette grandeur-là. Pareil, avec les mêmes pages. Je fais une pause. Je crois que j'ai mon facteur qui me sonne. Et voilà, je reviens après. La petite escapade du facteur. Donc, je vous fais vivre le truc. Je suis désolée hein, pour la coupure. C'est pas grave, ça fait partie du truc. Et comme je vous ai dit, je ne retaperai pas le début de la vidéo. Ah, oh, il est magnifique. Il y a du velours un peu, voyez? C'est marrant. C'est du tissu et du velours dessous. Non, 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 non. Non, non, non. Joue avec ça. Ça, c'est à moi. C'est à moi. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, je suis fan. C'est magnifique. J'adore, 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 j'adore. Merci. Hop, mes petites pommes de pin. Waouh, il y a un cadeau lourd. Un petit brin de chez moi, pas facile à emballer. C'est quoi? C'est une plante? C'est de la terre? C'est. Du jardin. Ok, allons-y. Ça fait... D'accord, donc c'est quelque chose d'emballé. Je teste en fait pour savoir si je le casse ou pas. Enfin, c'est pas que je veux le casser, hein. C'est si ça se casse. Parce que je me connais un peu. Hein. Ah, c'est ça. Oh! De la lavande. Une bougie de lavande. Waouh, la vache! Voilà. Ah, les senteurs. D'accord. Donc, chez toi, c'est une des spécialités. Je vais vous montrer. C'est beau. Petite bougie. Merci! Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon? Il y a plein de petites pommes de pin, c'est génial ça. Là aussi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon?
j'adore aussi. Oh, ouah, j'adore. Non. Une trinité boisée pour tes prières. Ah, j'aime. J'aime l'idée. Donc, c'est des bougies. À la lueur de tes prières, des bougies. Ce week-end, j'étais à... Hey, écoutez, j'ai encore une petite anecdote à me raconter, ça va faire 2 heures. Putain, c'est pas possible. Mais il faut que je vous le raconte, parce que justement, ça tombe bien. Oui, télépathie, mais oui, oui, je dis oui, parce qu'en fait, dans le week-end, il y avait dans le gîte de ma copine des petites bougies dans des rondins de bois. Et je faisais que lorgner en disant « Ah, moi aussi j'aimerais des petits rondins de bois, pas forcément du boulot, mais j'aimerais bien mettre mes petites bougies voilà, dans du bois, quoi, parce que je trouve ça très beau et que voilà, donc je lorgnais et tout. » Donc c'était mes derniers vœux en fait du week-end et voilà, 3 jours après tu découvres ton cadeau et tu découvres ça. Mais qu'est-ce que c'est beau. Hé hey. Non, pas ça. Mais oui, Mimine, viens Léa, viens. Viens, viens te montrer pour la postérité, Minoune. Hein, Minoune? Tu viens, Léa? Où est-il, Léa, Minoune? Donc, waouh, merci. Waouh, j'adore. Bah, mais je suis gâtée. Regarde, Minoune, il y a plein de trucs. Waouh, mais punaise, mais... Waouh, mais je suis gâtée. Waouh, mais merci. Waouh, ça va, Minoune? Celui-ci me vient, donc je le prends. Viens, Minou. T'as vu, j'ai des cadeaux. Oh, j'ai... Oh, quelques pointes de lumière. Moi, c'est ridicule ce que je t'ai fait comme swap, quoi. Waouh. Je vous montre. Petit quartz. Oh, mon Dieu, je suis... Ah, t'avais même fait des petits dessins au bout. Un petit dessin au bout avec un petit cristal là qui pointe et qui brille. Minoune. Dieu. Eh bien écoutez, je me sens oui gâtée, mais en fait je trouve pas de mots en fait pour décrire en fait, ce qui se passe. Je suis submergée et sonné par cet envoi, c'est bizarre en fait. Je suis heureuse, hein. Mais là en fait je suis touchée, mais vraiment à un point en fait, vous imaginez même pas. Donc du coup, mais moi c'est ridicule Elodie ce que je t'ai fait en fait. Bah alors le thème de la nature, mais... Voilà, t'as été même dans les minéraux, le bois, le toucher, enfin, mais mon Dieu, mais comme tu as bien respecté. Waouh. Oh là là, il y en a plein d'autres. J'en ai plein encore. Oh, tiens. La petite prière. Hop. Dans mes bagages. On y va. Merci. Entre ciel et terre. C'est parti.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, te bénisse, te bénisse, te bénisse. Merci, 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 merci. Merci. Alors vous m'excusez parce que alors, du coup je suis un peu sonnée et... Mais je suis heureuse, hein, faut pas croire, je suis contente. Tu sais. Waouh, tu es douée. Mais tu es douée. Comme il est bien fait. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Mais merci. Oh mon Dieu, mais comment. Pff. C'est chouette. Merci. Alors, un peu de douceur. Ben, ça sera pas de refus. Merci. Du chocolat. Non, 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 faites pas les fous. Du chocolat. Dans ma famille qui vont aimer. Oh merci beaucoup. C'est la caverne d'Ali Baba. Les rouleaux en sont des extraits. D'accord. Donc il y a un petit bouquin. Tu as pris ça. Ouais super. C'est-à-dire que le commentaire là c'était peut-être inutile, hein, mais. Mais je réfléchis à haute voix. Déjà, c'est essentiel, je réfléchis. Peut-être pas tout le temps. Je réfléchis à ce que je suis en train de dire. Tout le temps. Alors, voyons voir. Ben oui, Manuel du Guerrier de la Lumière, Paulo Coelho. Voilà. Oh, mais merci. Les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde, ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens. Mais ils n'ont pas renoncé à lui en donner un. Ils s'interrogent, refusent la passivité, le fatalisme. Et c'est ce qui fait d'eux des guerriers de la lumière. Ce livre, bref, simple et précieux, offre une véritable synthèse de la philosophie humaniste de Paulo Coelho. Un message de confiance et de vie qui a touché des millions de lecteurs. Marquis, 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 Marquis. Et vous remarquerez que j'ai constaté qu'il y avait un petit nota bene. Un manuel qui m'a beaucoup aidée, que je t'offre avec plaisir, ma jolie Stéphanie. Oh, mais faut que j'arrête d'essayer de montrer, vous voyez rien. Oh, mais merci. Trop de la balle, disent les jeunes. Et là, ma fille me dira, non, mon fils, non, reste, s'il te plaît, c'est ridicule. Les motifs sont des jolis signes. Des plumes, c'est des plumes. Des motifs de plumes, bien sûr. Je pense pas que ça fait des plumes. Ouah, mais je suis gâtée. Hein. Waouh! Ah, mais c'est génial, c'est hyper pratique en fait. Tu le mets autour de ton cou. Comme... Oui, non, mais. Non, mais ce que je veux vous dire, en fait, ça fait ça. C'est... Je pensais que c'était un petit châle. Ah, mais tu l'as parfumé. Ça sent toi? La fille comme si elle avait déjà senti Elodie. Oh, j'adore cette odeur. Et voilà. Oh, j'adore l'odeur. Ça me rappelle une copine. Ça me rappelle l'odeur de Cécilia. D'ailleurs, si tu me regardes, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, en fait, bon, ben là, c'est un petit kiff par rapport à toi. Oh, mon Dieu. Oh là là. Tout cet amour, hein, c'est trop mécan. Oh là là, ça se...
Ça se diffuse, c'est beau. Merci. Alors, chaque mot posé est un souhait à réaliser. Chaque mot posé est un souhait à réaliser. Sur des carnets. Là c'est très doux, donc on est dans la thématique nature, mais en fait c'est les couleurs sont très subtiles, sont très douces. Eh ben, je reviens en fait à ce que je vous disais au départ, elle reflète cette douceur. Bon ben voyez, en fait les cadeaux sont empreints de cette douceur là quoi. Donc petit carnet avec plein de jolies fleurs, trop beau, c'est trop bien d'avoir des cadeaux. Bon, là, on va arriver à la fin du swap. Il me reste deux cadeaux. Une rose. Je parle tout haut parce que j'ai vu une... Parce que j'ai des images, en fait. J'ai longtemps. Ah, vous faites l'étiquette. Celle-ci est éternelle. Une rose. Et merci pour le coup de pouce et l'image que j'ai dans ma tête. En fait, tu touches les objets, tu sais quoi. Ouais. Ouais, je regarde en fait comment la conserver. Waouh. Merci. Waouh, je suis contente. C'est beau. C'est doux, c'est délicat, c'est... Attends, fais qu'elle est chat. Hop, on va poser ça. Et j'arrive au dernier cadeau. On dirait une vraie gamine, c'est-à-dire qu'elle est tellement à fond à ouvrir les cadeaux que j'ai oublié qu'il y avait les étiquettes. Ça c'est le truc de vas-y, fais ce que ton cœur te dit. Là mon cœur me dit ouvre tous ces cadeaux, ouais, délecte-toi, vas-y direct et lis après quoi. Mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Mais en même temps en fait c'est ce que j'avais envie de faire, tu me diras. Un est un compagnon, l'autre une jolie signification. Ah ben tiens. Chatounet, c'est toi qui as fait ça, mon Dieu. Et mon flamant rose. Oh, mais c'est trop beau. Oh, t'as même fait le détail, en fait. Alors là, il y a un détail d'une petite perle, je sais pas, au niveau de l'œil qui brille. Je sais pas si on voit trop. Oh, mais c'est beau, c'est super comme idée, ça. On voit l'ex... Je regarde derrière, en fait. Waouh! Allez, je vais me pioncer, moi! Oh là là, c'est... Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça fait. Je me sens heureuse, oui. Je me sens comblée, heureuse encore. Et
c'est surtout toute cette joie en fait, t'es assommante, mais dans un bon sens, c'est-à-dire que t'es tellement gorgée que t'as envie de te mettre par terre, d'ouvrir les bras et puis juste laisser diffuser partout en toi en fait. Donc c'est. Non, c'est rigolo la sensation, parce qu'à l'ouverture de ton cadeau, Elodie, de tes cadeaux, parce que je voulais dire ton cadeau, mais ton soif en fait, et de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est comme si tu recevais en fait, mais de façon ponctuée, très subtile, toute ton énergie d'amour, de douceur, lumière. Ça se fait mais tellement de façon douce. C'est incroyable parce que l'énergie de ce swap est vraiment à ton image. C'est rigolo. C'est rigolo en fait la différence qu'il y a d'un swap à l'autre en fonction des individus et toute l'énergie, les intentions en fait qu'on y met. Quand on fait ces cadeaux pour quelqu'un, quand on va dans cette intention-là d'offrir quelque chose, et il y a aussi en fait en dehors de l'intention aussi toutes les vibrations que l'on met, tout l'amour, tout le temps passé à penser à la personne, à imaginer sa réception, et en fait c'est incroyable toute l'énergie que l'on ressent en fait à ce moment-là, qui est concentrée, qui se diffuse. C'est comme si en fait on avait des petites bulles qui se, comme des bulles de champagne, vous voyez, en fait quand ça remonte en fait à la coupe, ben ça fait pareil. Quand tu ouvres ce swap, je suis comme ces petites bulles de champagne qui remontent en fait dans cette coupe. C'est vraiment rigolo la sensation. Non, un clown dans un cirque, c'est rigolo. Ça, c'est pas rigolo. C'est du pur émerveillement en fait. Donc, mais waouh, je vous mettrai le lien de sa vidéo en dessous. Avec sa chaîne, sa page Facebook et ainsi de suite. Je vais trouver une place à chacun de ces objets. Je vais me délecter. Je te remercie mais tellement, 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 Elodie. Mais merci de m'avoir offert en fait ces bouts de toi, cette sensibilité, cette douceur, cet amour. Merci. Merci pour toute cette bienveillance. Merci en fait... à ceux en fait qui partagent, celles et ceux qui partagent ces swaps avec moi, parce que c'est toujours une belle découverte, des jolis moments et ça nourrit en fait. Qu'est-ce que ça nourrit quoi. Donc j'adore, j'adore, je trouve ça génial. Que ça se diffuse, que ça se partage, que l'on partage ensemble et qu'on en fasse plein de ces moments-là, parce que bon sang, ça fait du bien quoi. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, d'autres swaps peut-être. Toutes les infos sont en bas et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, nuitée, soirée, matin, à tout moment de la journée. Ciao, ciao !